tous, c'est Joram et on se retrouve dans le deuxième épisode de Between Lands. Ça y est, donc dans le premier, on a créé notre portail pour aller dans cette nouvelle dimension. Bah écoutez, tout ce qu'il nous reste à faire, ça va être d'y aller. Hein. Bon, je vous avoue que voilà, j'ai un peu stressé à l'idée d'y aller hein, parce que bah, c'est une dimension voilà, que je sais qui est très dangereuse, des dimensions marécageuses, glauques, sinistres. Avec beaucoup de monstres. Et l'équipement là que j'amène, mon épée en diamant, mon armure, tout ça, bah, bon, je peux les garder, mais ça va être beaucoup, beaucoup moins efficace là-bas qu'ici. Là-bas, il faudra que je me refasse un équipement complet. Et même la nourriture, je crois bien qu'elle est inutilisable là-bas. À confirmer, hein, de toute façon, on verra bien. Mais écoutez, allez, on y va. On croise les doigts. Ça y est, on y est arrivé. Donc on est toujours à l'intérieur, en fait, du même arbre, mais cette fois dans les Between Lands. Du coup, il y a pas mal de progrès qui se... Je pense que, voilà, je suivrai les progrès au fur et à mesure. Il y aura pas mal de progrès à faire. C'est ce qui guidera un peu l'avancée dans ce monde. Alors voilà, vous voyez, mes 47 poulets se sont transformés. 47 viandes pourries. Voilà. beaucoup de choses et même regardez, même mon épée, elle est très lente à utiliser. Bon, maintenant il faut voir où je suis tombé. Écoutez, on va, voilà, là je vois des formes déjà, j'ai vu des formes. Écoutez, on va les voir hein. Waouh, on a déjà un ciel inquiétant. Bon, on a de l'eau, on a des sortes de crocodiles, des poissons. On va observer un petit peu les environs hein, avant d'attaquer. Oh là là, j'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette bête? Bon, attendez, on va hop, on va passer par là. Donc oui, il y a de la boue qui ralentit. Donc il faut que je me méfie. Et écoutez, la première chose à faire, ça va être chercher du bois. Donc on va aller chercher du bois. Là par exemple. Là, la hache, je crois que... Oh là là, regardez, ouais. Bon, elle sert quand même, mais elle est d'une lenteur. Notre portail est là. Écoutez, on va peut-être se faire un premier abri ici dans cet arbre-là. Comme ça, on récolte du bois en même temps. Ouh. Bon, déjà, on n'était pas submergé d'ennemis juste en arrivant, c'est déjà ça. Alors, normalement... comment ça se passe? Ok. Je crois qu'il y a des choses que je vais pouvoir jeter. Hein. Oh oh. On a de la visite. Ok. Bien sûr. Ouf. Tout est sinistre ici. Ces cris, mon dieu. T'étais quoi, toi? Swamp Hag. Bon. L'épée de diamant est pas super efficace, hein, ici, mais en attendant que j'ai une arme du cru local. Ah, il a laissé quelque chose. C'est quoi? Slimy Bone. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah, on peut se faire une épée justement. Des outils, boucliers, armure. Ok.
Donc, ce que je voulais faire, je vais me débarrasser d'un certain nombre de choses hein, qui vont pas me servir ici. Allez, on jette le bois. Oh là là. Est-ce que je peux la manger quand même, la nourriture? Aïe. Ok, ouais, je m'empoisonne. Oh non. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Oh là là. Super, j'ai que un cœur. Bon, allez, eh bien, on jette tout. Hein. Hop, on jette, on jette, on jette. Même mon arc. Est-ce qu'il fonctionne ici? Mais il va faire très peu de dégâts normalement. Bon, on va le garder quand même un peu. Hein. Le lit, on peut le jeter, ça ne sert pas. Ça, je sais que ça ne sert pas non plus. Hop, on jette, on jette. Et on va, ben, on va tout refaire. Hein. Là, il me faut de la nourriture par contre. Bêtement, je me suis empoisonné. Qu'est-ce qu'on peut manger dans les coins? Une sorte de champignon là. Je crois que j'ai vu qu'il y a des grenouilles, des escargots qu'on peut manger. Qu'est-ce que c'est cet arbre bizarre là-bas? Pas quelque chose à manger ici? Oui, c'est un caméléon, je crois. Quelque chose comme ça. Je sais pas s'il donne quelque chose. Oh là là, je me coince dans la boue. Il donne pas à manger, lui. Et ouais, oh non, j'ai un cœur, quoi. Ça commence bien. Je vais ramasser un peu de champignons, on va voir ce qu'on peut faire avec. Je vais revenir dans l'arbre que j'ai creusé là. C'était celui-là, je crois. Ouais. Allez, on va se faire. Ça, ça donne quoi? Hop, ok, des planches. Allez, on se fait la table de craft. Voilà. Local. Hop. On va la mettre ici. Alors, normalement, je peux faire une épée avec ça. Donc, je pense que les bâtons... Ok, ça se marche pareil. Est-ce que je peux me faire une petite épée? Yes! Allez, ben ça, on va pouvoir jeter. Hein. Ah, on peut se faire une soupe, mais il me faut d'autres choses. D'autres champignons et cette plante-là. Nettle. Ah, ça doit être ces champignons-là. Cattail, c'est pas ça. Une plante qui s'appelle Nettle. Ça peut-être. Oh, c'est des lucioles. Non, Cattail, c'est pas ça. Ça c'est quoi? Ça serait bien si je pouvais me faire une sorte de soupe là. Histoire de reconstituer mes forces un petit peu. J'ai pas l'air d'avoir ça autour. C'est bien glauque ici. Hein. Bon. Est-ce que je peux faire une porte? Est-ce que ça marche de la même façon? Oui. Ça, c'est bien. On va se mettre une porte. Hein. Hop. Ah oui, même mes torches ne fonctionnent pas. Ok, bon, mais on peut tout jeter. Hop, allez, on jette, on jette. On jette, on jette. Oh là là. Ah, c'est dommage que je peux pas me faire cette soupe là. Écoutez, on va continuer à creuser un petit peu. J'évite un petit peu l'intérieur de l'arbre hein, et on se retrouve. Allez, ça y est, j'ai vidé un petit peu voilà, l'arbre.
Voilà, comme ça je peux surveiller les environs. Là, de toute façon, j'ai pas trop le choix et il faut que je trouve à manger absolument. J'ai changé tous mes outils par des outils en bois. Hein. Et puis écoutez, j'avance un petit peu, je ne sais pas par où, mais oh là là, faut que j'évite cette boue. Je crois qu'on peut faire des petites... des sortes... Oh là là, j'ai peur de tout ici. Des sortes de petites... comment dire? Ah, c'est ça comme je peux... Je crois que je peux manger ça, cet escargot là. Attendez, il y en a un autre ici, on en profite. Oui. Chair d'escargot. Bon, c'est cru, mais je pense que ça peut me nourrir quand même. Yes. Ouf, on se sent mieux. Ils s'attaquent entre eux, là, dans l'eau. Bon. Allez, j'explore juste la région immédiate. Il va falloir que je creuse de toute façon pour... je trouve une entrée de grotte. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ok, ça cherche à m'attaquer là, c'était des arbres vivants, je sais pas ce que c'est. Ok, bon, je m'approche pas. Hein. Et là par contre, il faut pas que je me perde. Oh, une grenouille. Je crois que ça donne de la nourriture aussi. Yes, des pattes de grenouille. En tout cas, c'est très très réussi l'ambiance ici. Voilà, déjà je récolte un petit peu de nourriture, ça c'est très bien. Je pense que je vais... Ah, c'est des champignons là-bas. Je vais utiliser ma carte là pour marquer ma maison parce que je vais vite me perdre ici. Hein. On perd tous les repères ici. Hein. Ah, ces algues, on peut les récupérer. Je sais pas ce que c'est cet arbre là, mais il est bien protégé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je crois qu'il faut pas trop s'approcher. Il s'est passé quelque chose là. Envie de m'approcher. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Juste devant. Bon, allez, on va pas chercher plus d'histoire. Où est mon arbre? Vous voyez, je suis déjà à moitié perdu. C'est pas très intelligent. Ok, le portail est là. Donc l'arbre doit pas être très loin. Bon, pas trop d'ennemis trop proches pour l'instant. C'est déjà ça. Où est mon arbre? Ah, il est là. Donc là. Hop, je vais me marquer sur la carte. Hein. Là. Hop, on va se rajouter une petite balise. On va l'appeler home, maison. Voilà. Histoire de pouvoir revenir... rapidement en cas de souci. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Bon, pour l'instant je mange tout cru, hein.
Ok, ouais, maison, c'est marqué. Je vais peut-être creuser. Enfin, en fait, faut trouver l'équivalent du charbon. Donc, écoutez, c'est ce qu'on va. Je vais faire tout de suite. Ah, ça, c'est. Ça, je peux faire. C'est pas l'équivalent du fer, mais voilà. C'est la même matière avec laquelle j'ai fait mon épée. Pour se faire des outils un peu mieux et même des armures. Donc, ça en prend, hein. Ok, nickel. J'en ai un petit peu. Allez, on continue à descendre. Pour l'instant, je cherche... c'est le sulfure, je crois. C'est jaune, c'est brillant. Et ça permet de, ben, voilà, de faire fonctionner le four. Et de faire des torches. Ah, ça y est. On en a. C'est ça. Normalement, c'est ça, ouais. Ça marche si on se fait une petite torche. Ouais, c'est ça, c'est bon. Yes, allez, je récolte un petit peu. Je fais pas beaucoup de coupures, hein, dans ce premier épisode parce que je voilà, on découvre un petit peu ensemble, même si je me suis quand même renseigné un minimum, hein, parce que d'y aller totalement à l'arrache comme ça, c'est un petit peu risqué quand même, hein. Donc j'ai vu un petit peu voilà ce qui m'attendait en gros. Et le système de fonctionnement. Allez, là je remonte jusqu'à la maison. Ah c'était pas. Ah si, c'était ça qu'il fallait faire pour Allez, ok, il y a des plantes empoisonnées en plus. Ah, c'est nettle, je crois. Et il me faut des cisailles pour les récolter. C'est ça. Pour faire la soupe avec les champignons. Bon, écoutez, hop. Par contre, de devoir entrer en sautant, là, c'est bien, ça me fait... Ça me fait une petite protection supplémentaire. Donc, on va se faire un four. Je pense que je peux me faire un four. Yes. Je vais faire cuire mes cuisses de grenouille. Allez, on va mettre le petit four ici. Alors, comment ça fonctionne? Je pense que c'est pareil. Oui, ça marche. Alors, déjà, attendez, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Des bottes d'os, ouais, une hache. On peut se faire une armure minimum. Ah, même un bouclier. En même temps, j'ai pas de quoi faire tout. Je vais garder... Ah si, je vais faire une pioche au moins. Allez, on va faire ça. Une petite pioche. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Le reste, c'est pas bien urgent, mais voilà. Et du coup, on va peut-être se faire une armure minimum. Le torse... C'est bon, je peux en faire un. Alors 5 points d'armure, ça apporte. Est-ce que j'ai... Ah si, mon fer est quand même mieux. Mon fer est quand même mieux. Donc on va pas faire ça pour l'instant, on va se le garder. Je voulais voir ce qu'on pouvait faire avec ça. Et ensuite, une fois que c'est transformé... Ok, on peut faire un bouclier en bois, des échelles... Un seau. Ah oui, on peut récolter sur un arbre, je crois. Substance. Un arc. Un filet. Bon, pas mal de choses. Ah, une cage à gecko. Ah ben voilà, c'est des geckos que j'ai vu. Ok, on peut se faire des petites choses. Voilà, c'était comme ça. Je vais me faire un coffre, je crois, parce que je commence à avoir déjà beaucoup de choses. Le coffre, je crois que c'est la même façon. Yes. Bon, on n'a pas énormément de place, hein. Je pense pas qu'on va rester là très très longtemps, mais bon. Alors, la chair pourrie, on va la jeter, hein. On a une poubelle toute vue ici.
c'est ça, on peut jeter. Et ça, on jette. Voilà. Donc, dedans, morceau de talisman, bon. Et le talisman, ben, on va le laisser pour l'instant. Les champignons, je peux rien en faire tout de suite. Donc, on va laisser ça. Ok, ça c'est cuit. Impeccable. On fait cuire maintenant la chair d'escargot. Avec les pierres, qu'est-ce que je peux faire ? Des outils en pierre basique, mais qui ne serviront pas à grand chose ici. Oui, là ça reprend les recettes de Minecraft. Là, bien. Ok, là je peux faire des barrières. Animator. Bon, ça, on n'y est pas encore. Mais j'ai envie d'aller explorer un petit peu. Hein. J'ai un petit peu de nourriture. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Allez. Hop. On va essayer de faire attention. Non. Avant de partir, je voulais faire ce fameux saut là. On va faire ce fameux saut. Tac. Alors, je sais plus à quel arbre, par contre, il peut s'accrocher. Est-ce que c'est celui-là ? Oui, c'est ça. Oh, mais... même les escargots peuvent être violents ici. Ok. Donc voilà, voilà, ça récolte la sève de cet arbre. Et on pourra en faire des petites choses. Il faut que j'ai un petit peu de nourriture avant de partir. On va refaire cuire ce qu'on vient de récolter. Ah, j'ai une coquille. Ok, ça servira un petit peu plus tard quand on aura un mortier et un pilon. Ça, on n'y est pas encore non plus. On va le laisser là. Hop. La pioche en bois, on la jette. Donc oui, au-dessus de la barre de nourriture, on a une barre nouvelle, spécifique à ce monde. C'est la barre de corruption un petit peu. Et bien, il faut essayer de pas trop descendre, parce que sinon même les points de vie vont descendre. Et pour compenser ça, il faut manger ces petites choses là. Je crois qu'on récolte d'ailleurs avec certains arbres, en abattant certains arbres. Mais je ne sais pas lesquels. Il s'appelle le sap quelque chose. Je me demande si c'est pas ces arbres là. Aïe. Sap tree log. Ouais, ça doit être ça. Voyons voir. Si c'est ça. Hop. On va abattre cet arbre là pour être tranquille un petit moment. Écoutez, je le coupe entièrement et on se retrouve. Allez, c'est bon. Je vais même récolter des pousses. Comme ça, je pourrais en avoir d'autres pas loin. Oh non, je suis dans cette boue encore. Oh. Je crois que... avec ce que je vais récolter là... Oh là là, si je tombe en plus. Dans le seau, je pourrais me faire des bottes qui m'empêchent de trop coller à la boue. Il me semble. À vérifier. Je vais replanter un petit peu cet arbre là. Genre ici. Voilà. Si un autre pouvait repousser... Et je vais replanter un petit peu... Ah, peut-être je vais finir de couper la base. Je vais replanter à la place. Waouh. Le brouillard tombe vite ici. Waouh. Mon dieu. Je vais faire un autre saut, parce qu'après il faudra que je prenne un autre. Il faudra que j'ai un autre saut, pardon, pour récolter le contenu de ce que j'ai ramassé, il me semble. Ah, ça c'est pour faire des bols. Et ça c'est pour faire le saut. Ouais, c'est ça. Hop, petit coffre. Pour l'instant, on va planter. On va mettre l'arbre. Attends, on va essayer de séparer les choses un petit peu. Hop, naturel, machin. Ah, j'ai récolté aussi ça. Une autre coquille. Voilà. Les autres portes, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Ça, j'en ai beaucoup. C'est impeccable. Est-ce que je peux en faire autre chose ? Ah, ça peut faire de la nourriture. Plante tonique.
Ok, et ça peut être une sorte de fertilisant. Ah, ça peut faire de la nourriture si je la fais cuire. On va en faire cuire un petit peu. Ah non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sludge ball. Ah mais non, c'est pas des sludge balls, ça c'est des balls of sap. Ok, ça se ressemble, c'est pour ça. Oh là là, ce brouillard. L'ambiance est très réussie, hein. Ah c'est bon, ok. Alors. Mon seau, qu'est-ce que je peux en faire? Ah, bon, ok, c'est à faire cuire déjà. Donc on va faire cuire. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ah, rubber ball, ok. C'est pas ça qu'on peut manger là, il me semble. Voyons voir. Ah, je peux me faire ces fameuses bottes qui évitent de trop s'enfoncer. Et ensuite, on pourra se faire des flacons, mais voilà. Ok, donc il m'en faudra un peu plus. Si je multiplie un petit peu les seaux là, je récolterai plus vite. Faire au moins deux autres sauts. Hop. Et même. Ouais, on verra. On va déjà en mettre un peu. Mettre ça en plus. C'est. Là, j'ai pas trop envie de m'éloigner du coup, pour l'instant. Voilà, on en met trois. On va laisser ça s'écouler tranquillement. L'épisode est déjà bien avancé, hein. Je vais peut-être juste. C'est où que j'avais commencé à creuser? C'est là. Par contre, là, ouais, il faut que je me mette un peu de lumière. On va mettre une ici. Je vais me faire d'autres torches. Non, c'est pas du tout là. Ah si, c'est là que j'ai creusé. Oh là là, je me perds. On va descendre un petit peu, hein. Et puis ben, le premier épisode va s'arrêter là. Écoutez, on a déjà une petite base. C'est déjà pas mal. On va voir ce qui se cache un petit peu en dessous. Je me fais d'autres torches. En espérant que je retrouve d'autres sulfures. Allez, on regarde ça. On surveille. Croise les doigts. Waouh! Ok, une grotte, une caverne. Oh là là. Est-ce que c'est bon si. Oui, il y a du sulfure. Il y a du sulfure. Hop. Mangeons un peu. À l'horizon, c'est déjà ça. Waouh! Ok. Ça descend par là. J'entends des choses. Oh mon Dieu. Allez, récoltons ce qu'on peut récolter. Et après, je crois qu'il faudra que j'aille plus bas pour une espèce de métal. Ben voilà. Ah! C'est quoi ça? C'est pas ça. Cyanurite or. Yes. Je crois que c'est un métal qui sera pas mal, ça. Bon, j'en ai que deux. Je préfère une épée au moins. Une épée un peu plus efficace. Parce que, bon, une épée en os fossilisé, c'est pas forcément excellent. Je fais de l'XP, hein, ça, pas de problème. Allez, le sulfure. Déjà, je me suis reconstitué une petite réserve. Ouais, 16.
Oh, j'entends quelque chose. Alors, je suis partagé entre la curiosité de voir ce que c'est. Bon, je descends un tout petit peu. Promis. Promis, j'essaye de survivre. Ok, je crois que c'est ça. C'est quoi cette bestiole? Ça ressemble à de la pierre. C'était comme de la pierre, mais... Ok. Bon, je crois que mes flèches ne font pas grand-chose ici. C'est pas grave. C'est peut-être pas méchant, hein, mais... Waouh, sauce. Ouais, je crois que mes flèches font vraiment pas grand chose. Yes, ça y est. Allons voir. Oh. Ok, ça me donne un autre minerai. Stalactite. Ok, ça donne des petites choses. Waouh. Ça s'enfonce encore là. Allez, je descends un tout petit peu, mais je vais m'arrêter là, juste pour avoir un aperçu. Je crois que ces plantes-là qui descendent, c'est pas mal. On peut se faire un lit d'ailleurs avec. Mais bon, allez, je récolte le sulfure qu'il y a là. Et on va remonter. Ah, on voit que je suis à 46 mètres de ma maison. Oh là là, tous ces bruits-là de... Oh, du minerai encore. Yes. Excellent. Bon, on a trouvé pas mal de choses. Pour ce début. Allez, je finis de récolter. Et on se retrouve. Allez. On remonte. Est-ce que le brouillard s'est levé? Ah, oh là là, ça chauffe. Champignon m'a fait peur, non mais tout me fait peur là. Ouais, mais il fait nuit je crois. Ok, on va revenir à la maison. On va faire cuire nos minerais parce que je pense qu'il n'y a que ça à faire. Ok, et ça nous mettra des... Ouais. Et celui-là, qu'est-ce qu'on peut en faire celui-là? Ah. Ça ne me dit rien comme ça, donc hop. Allez, on commence à faire cuire ça. Allez, je fais tout cuire et on se retrouve. Ok, j'ai un nouveau progrès parce que j'ai voilà, j'ai dû trouver des nouveaux minerais. Alors celui-ci ne se fait pas cuire. Alors soit il faut le faire cuire autrement. Pour l'instant, je n'ai pas la recette. Écoutez, on verra. Hein. Donc avec ces métaux, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, bouclier. Ah, qui permet de charger. Ah, les fameuses pinces... comment ça s'appelle? Enfin, vous voyez. Je retrouve plus le mot en français. On peut se faire une armure. Ok, un hopper. Ouais, des pièces d'armure, une porte en fer, un seau. Enfin, en fer, en ce métal. Ok, la cage à gecko, un truc à compost. D'accord. Ça, il faut... Ouais, ok. Ça, déjà, on va se le faire. Oh, alors j'en ai que... Oh là là, bon, ça va se faire une épée et puis les... Et les cisailles, voilà, les cisailles, c'est le mot que j'ai cherché. Et on va se faire une meilleure épée, écoutez. Ah non, on peut pas se faire d'épée. Ah ah! Je croyais avoir vu qu'on pouvait se faire une épée dans l'eau. Ah non, que des pièces d'armure. Pas d'épée. Ok, donc là j'en ai que 3, je vais pas pouvoir faire grand chose du coup. Bon, j'ai les cisailles. Allez, on va vider un seau, on va le faire cuire et on va se faire nos super bottes.
Allez, c'est bon. Hop, voyons voir. C'est ça. Alors attention, on va être de toute beauté. Waouh. Je vais les tester. Si du coup je m'enfonce pas là dans la boule. Ah bah non, c'est bon. Je suis plus ralenti dans la boue. Ok, super. Et voilà, bah écoutez, on se laisse déjà, hein, l'épisode passe très vite, mais voilà, il fallait installer les bases. Voilà, on a notre petite maison, on a un petit, vraiment un début d'équipement. On a exploré vraiment juste les alentours. Et bah écoutez, dans le prochain, hein, on va essayer d'explorer un peu plus. Hein. Donc bah, j'espère que cette série dans les Between Lands vous plaira. Voilà, on découvrira tout ce qu'il y a à explorer dans cette série. Je sais qu'il y a des donjons, il y a pas mal de choses, beaucoup de monstres plus dangereux les uns que les autres. On verra tout ça. Allez, j'espère vous retrouver dans le prochain. Je vous dis ciao.